Good morgen, allez, Iden, les tutsurs aujourd'hui, le Nishmat Makhlouf Micha ben Masouda, Nachman Yosef ben Nahum, Avraham Chaim Norbert ben Fortuné, Mazal Tov ben Yehudit, et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Amid, Perek Bet, Mishnah Gimel, Echelou Ma'alin Bagizrin, le Sader Esh Ha'ma'aracha. Echi, Kol Ha'etzim, Kshirim, le Ma'aracha. Hi, Kol Ha'etzim, Kshirim, le Ma'aracha. חוץ משל זית ושל גפן, אבל באלו היו רגילים, במרוביות של תאנה ושל אגוז ושל עץ שמן. פרק א', on a appris comment les Kohanim se levaient le matin. Et avec, ça s'est fini avec la Tourmat Hadashen, le premier Kohen qui montait sur le Mizbeach pour vider les cendres. Pérec Bet, on a déjà commencé maintenant à décrire concrètement comment est-ce qu'il ramassait les cendres pour les déposer ici sur le Beth Hadeshen, le Makom Hadeshen. Et après, on avait appris dans la Mishnah précédente que, dans les deux Mishnayot en fait, que le Kohanim commençait à maintenant à courir, se laver les mains, pour ensuite monter sur le Kevesh et commencer à faire de l'ordre sur le Misbeach. Pourquoi? Parce qu'on avait durant toute la nuit, il y avait eu des graisses et des membres qui avaient brûlé. Il y avait maintenant plein de cendres sur la Maharacha, sur le bûcher. On avait appris qu'il fallait prendre les cendres et les mettre sur le tapouar, le tas de cendres qu'il y avait au centre du Mizbeach. Pendant ce temps, les membres, on les avait déplacés, on les avait mis à côté. Et maintenant, la Mishnah va nous dire maintenant, donc on en est où précisément? On a tous les membres qui n'ont pas fini d'être grillés, il faut les laisser sur le toit du Mizbeach, on les mettait sur le côté. On avait vidé tout, ramassé toutes les cendres de la Maharacha, il restait encore peut-être des charbon qui est encore utilisable, j'imagine, bien sûr, des bouts de bois qui n'étaient encore pas consumés. Et maintenant, il fallait commencer à porter les nouveaux bois. Alors maintenant, les nouveaux bois, ça se passe comme ça. Pour ceux qui lisent la Memra de Abaye, Avam Sader Sader Amaracha Meshma Digmara, comme on dit tous les matins, il y a là-bas, il y a marqué qu'il fallait le Avodat Shne Gizre Etzim. Il fallait apporter deux bûches de bois. Ça, c'est juste pour le Kohen qui a eu le droit de faire le Tourmat Hadeshen, c'est lui qui ouvre ensuite, celui qui a commencé à lever les cendres, c'est lui qui va commencer à monter les deux premiers bois, c'est le Sidur Shne Gizre Etzim. Les deux bûches de bois. Mais après lui, bien sûr, plein de Kohanim ont monté, faisaient monter sur le Mizbeach d'autres bûches, pour pouvoir organiser la Maharacha Gdola. Ok, c'est le principe de la Mishnah, et du coup, on va commencer à préciser quel type de bois était valide, invalidé, à éviter a priori. Et la Mishnah m'enseigne, Echelou Ma'alin Begizrin, les Sader Esh Ha'Maracha. Il commençait à faire monter les Gizrin, c'est les bûches de bois, les Sader Esh Ha'Maracha pour organiser le feu de la Ma'aracha. Le Barthénois nous précise que c'était deux bouts de bois qui étaient longs. J'ai vu quelque part quelqu'un qui me disait que c'était une taille de une amas, donc c'est pas si long que ça, je sais pas. Il fallait qu'ils étaient lissés. Règle très importante, pas de verre. Il fallait qu'il n'y ait aucun verre qui soit pas verreux. On les conservait. Il y avait la Mishnah, l'ancienne dans Ternit, qu'on coupait les bois pour la Maracha, que jusqu'au tout Béhav, le 15 du Hav, après de Hav, après c'était fini, tandis que l'atmosphère commençait à être plus humide, donc ça pouvait provoquer la prolifération de verre. Donc il fallait des bois secs qui n'avaient pas de verre dedans. Et le Barthénora, si vous regardez, il va nous rapporter l'histoire des Shnegzeretzim uniquement, juste les deux bûches de bois. En réalité, le Mefaresh, le Tosot Yom Tov, explique qu'il y avait, à part les deux Gizretzim, il y avait bien sûr plein d'autres bois. D'accord? Là maintenant, tu me dis de faire monter deux bûches de bois. Je déduis de là que tous les bois sont cachers. C'est ce que la Mishnah pose comme question. Vehi, kol haetzim kshirim lemaracha. Quoi, tu dis juste des bûches de bois. Est-ce que ça signifie que tous les bois sont cachers pour le bûcher? Et la Mishnah de répondre, Hin, oui, pas Hin avec un Aleph, mais Hin, oui. Effectivement, tous les bois sont cachers, mais malgré tout, Kol Haetzim Kshirin Le Maracha, tous les bois sont cachers pour allumer le bûcher du Mizbeach, Chutz Michel Zait, Veshel Gefen. À deux exceptions, à l'exception des bois de l'olivier, du bois de l'olivier, et du bois de la vigne. Pour quelle raison? Pourquoi est-ce qu'eux spécifiquement sont invalidés? Deux raisons rapportées dans le Barthénois. La première, tout d'abord, parce que ce sont
des arbres fruitiers qui produisent des denrées essentielles. Surtout à l'époque, l'huile d'olive, on a consommé beaucoup plus que ce qu'on en consomme aujourd'hui. C'était vraiment une denrée essentielle, on remarque, tout au long, quoi. C'était l'huile. Il n'y avait pas d'autre huile, je ne sais pas, apparemment, ils n'avaient pas tellement de... Ils extrayaient pas de l'huile d'ailleurs. En tout cas, donc l'huile et le vin, ce sont des denrées très importantes. Et du coup, ne les gaspille pas pour le misbéar. Prends d'autres bois. D'accord? Première interprétation. Deuxième interprétation, ce sont des bois qui très rapidement se transforment en cendres. On n'a pas d'intérêt, on veut du bois qui va durer. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire brûler dans une journée sur le misbéar. Donc c'est les deux interprétations, soit parce que ça serait du très vite en cendres, soit parce qu'il faut économiser et ne pas gaspiller des bois, des arbres qui sont fruitiers. Mais malgré tout, regardez quand même quelque chose d'étonnant, c'est qu'à Valbel ou Réglin, mais malgré tout, avec ceux-là, on avait l'habitude, on préférait, comme on va expliquer pourquoi. Bimroubiot chez le Téna, avec des branches de Téna, de figues, Véchel et gauze, et de noix, Véchel et Shamen. Et aussi des arbres, c'est un peu flou comme phrase, des arbres qui fabriquaient de l'huile. C'est quoi comme huile en réalité? Le partenaire explique qu'on parle du shemen afarsemon. La farsemon, c'est pas ce que nous on appelle la farsemon en le kaki, en le fruit. En hébreu, ça se dit afarsemon, mais c'est en hébreu moderne, c'est pas en hébreu ancien. Shemen afarsemon, je sais pas c'est quoi cette huile, je crois que les poskim les écrivent, on sait pas exactement ce que c'est. Concrètement, on a un problème technique. Je t'ai dit de ne pas apporter des arbres fruitiers. Et là, tu me dis qu'il fallait apporter ces arbres fruitiers. Comment ça s'arrange? Le partenaire explique, regardez dans le Merubiot Sheltenim, Davka Tenim Raot, Deloav de Peire. Dans le Dibran Matril Merubiot, Anafim Sheltena, Davka Tenim Raot, uniquement des mauvais arbres, des figues mauvaises, qui sont pas tellement bonnes, qui sont pas bonnes à manger. Des lots avdépérés qui ne vont pas faire de fruits. D'accord? Qui font pas des fruits très intéressants qu'il faut économiser et éviter leur gaspillage. Et donc, on avait l'habitude d'apporter cela. Pourquoi spécifiquement cela? Je crois que c'est pas précisé. Et bon, on avait l'habitude, je sais pas, apparemment c'était. Peut-être qu'on les trouvait plus à Yerushalayim. Attendez, je jette un petit coup d'œil quand même. C'est pas précisé. Velola Kroatse Arazim, Oranim ou Broshim, des Malin Achanarbe. Shelo Etsim Mitlahavin Yafé. Ceux-là, ces sortes-là, c'était des arbres qui brûlaient. Ils faisaient un beau feu. À la différence des différents cèdres et toutes sortes d'autres bois, que par contre vont faire beaucoup de fumée. Donc, on préférait des arbres qui faisaient un beau feu, qui duraient longtemps, mais qui ne faisaient pas trop de fumée. Puis voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.